Salut tout le monde, c'est Billy Boy et on se retrouve pour l'épisode 3 de Pokémon Crystal Musdom avec mon frangin Yoshi Gonzalez. Et donc on est parti pour la suite. Donc la dernière fois, pour vous rappeler un peu, on s'était arrêté avec moi, Doris, et donc Bouchabit. Et toi? Moi, j'ai une pompeuse. Alors que moi j'ai déjà un tout doudou que... Pourquoi je l'ai appelé Katakshi plus quoi? Cataplopre. Bon, je ne sais pas pourquoi. T'as qu'à pas, je prendrai ma revanche sur les tournagrins. Et donc, ils ont la route. Alors, on va juste regarder si on a tout notre matos et tu peux parler plus fort, sinon on t'entendra pas. D'accord. Ah oui, moi j'ai fait plein de balles avant. Hein. J'ai 11 Pokémon. Ball, j'en ai 12. Je t'ai battu. Il faudrait qu'on fasse une liste des routes qu'on a visitées. La route au-dessus, on l'a pas faite. Bah non. On a que deux Pokémon. J'en ai 3. Oui, mais t'as ton starter. Excuse-moi, j'en aurai 0. Hein. Bon, nouveau Pokémon. Attention. Ça commence fort. Ouais. Prions Jésus. C'est bien fait pour toi. Ça, je m'en doutais. Je m'en doutais. On peut quand même remarquer que ces roms sont magnifiques. Bon, ça va, le premier gamin il va avoir un Mewtwo, comme dans toutes les roms. Hop, c'est pas très efficace et il lance Volvi. Nope. Bon, je sais que t'as une attaque de merde, mais il me fait que 4 points de dégâts. Mais c'est quoi ce Pokémon de merde? Fais gaffe quand même, hein, pas perdre. Bah, t'inquiète pas. Coup critique. Bé. Et après, parle fort. Sinon, ça va pas être agréable à regarder. Ouais, je sais. Allez, je tente la Pokéboule. Alors, est-ce que je l'attaque? Je ne sais pas. Je ne vais pas l'attaquer, on va tenter la Pokéboule. Attends, les deux Pokémon faits, hein. Allez. Ouais, premier que... Pokémon attrapé. GG. Ouais. Bon, c'est pas le meilleur Pokémon du monde. Waouh, comment quand j'accélère, ça fait bugger tout mon bureau. C'est le Pokémon graine. C'est une graine. Il est très faible. Putain, il m'a lancé enregistrement. Tu peux pas dire. Dans le Pokédex, il est marqué. C'est marqué, il est très faible. Tu vois, pour le rendre encore plus merdique, ce Pokémon. Bah, il t'indique qu'il faut pas l'utiliser, c'est bien. Donc, moi, je vais appeler. Voilà. Je vais appeler OGM. Parce que. Avec une pierre, bah, il pousse. Donc, c'est OGM. D'accord. Voilà. Oh God My. Ouais. Bien sûr. Oh God My. Et donc, ce Mélofée va mourir si je ne le capture pas. Viens ici. Il n'est que en plus, ça envoie des. Non. En plus, ça envoie des Pokéballs roses. Quit. Quit. Oui. Mais toi, t'attrapes tous tes Pokémon, t'es un cheater. Non, je suis un bon joueur. Bon, je préfère quand même Tournegrin. Mais... Bon, bien pas... que rarement aperçu, on le croise plus souvent. La nuit de pleine lune. Le loup-garou revient. Non, mais... Donnez un surnom à Mélofée. Selon les légendes, en fait, Mélodelf, c'est un ectoplasma qui a pris le contrôle d'un Mélofée. C'est censé être des extraterrestres. Alors, c'est un extraterrestre. Oui, j'ai obtenu une bêche. Qui est-ce qui est un extraterrestre? Iti. Voilà. Il s'appelle... C'est très bien. J'ai perdu de la vie. J'ai perdu 3 PV. Moi je vais soigner le petit OGM. Il a Volvi. Oh, wow, c'est les stats les plus bizarres du monde. Il a 7 partout. Il aurait pu être chain. Ah non. Non. Oui, il aurait pu être chain. Enfin, c'était pas loin. Je pense que c'était pas loin. J'aurais bien aimé que tu le loupes s'il avait été shiny. Je pense que c'est les PV qui ont gêné, quoi. J'ai pas eu marge. Non, j'ai pas. Je vais le stocker parce que. Fuck la police. Bah, dans ton PC, t'as les deux Pokémon les plus mignons du monde. Ils sont pas mignons, ils sont nuls. Oui. Madame, moi, j'aime jouer. Parle plus fort, bordel! Ouais, mais bon. Et moi, de toute façon, pour moi, un Pokémon mignon, c'est. Fenard. Mignon. Monsieur, il est cool.
tout. Il est classe, il est pas mignon. Goupix, il est mignon. Faut voir ce qui est mignon et ce qui est classe. Oh merde, je repose un Pokémon. Je vais passer Bouchabit en premier, parce qu'il faudra oh, bien... Oh mais non, j'en peux voir un Krabi. Bon, ok, ce sera encore un Pokémon. Oh, mais c'est cool, Krabi. Oh non, on va arrêter avec les Pokémon. Moi, j'en ai déjà deux. Un Boussiflore. Fais attention, si tu manges, il évolue. Sauf qu'il me fait peur, en fait. Mania! Non, l'attaque ultime! Attends, il peut battre la Ligue. Il me fait peur. Fais gaffe, hein, tu vas crever. La dernière fois, dans la grotte, c'est comme ça que t'es mort. Ah, le caca. Ouais, mais je peux pas changer, de toute façon. Bah, si. T'es sûr? Bah alors tu le soignes? Ouais. Ça me fait chier de gaspiller. Bon, je vais utiliser une idée. Rarement t'entends l'accélération. Qu'est-ce que tu fais? moi je sais pas en fait. Il faut que ça soit intéressant sur les deux écrans. Hein. D'accord. Oui d'ailleurs, je pense que vous aurez remarqué, il y a un écran complètement dégueulasse et un écran beau. Mais non! C'est parce que le PC de mon frère est nul. Non, moi c'est les couleurs originelles de la Game Boy Color. On s'en fout, c'est non! Combattre, c'est marrant, tu devrais essayer. D'accord, je vais essayer. Effectivement, bonjour. Les Boussiflores, c'est bien. Je viens de perdre et j'essaie donc d'attraper plus de Pokémon! En fait, tu as l'air bien faible, toi! Fight! Vas-y, je gratte l'œil. Attention! C'est Gilles Biker. Biker. Ouais, ok. Il m'envoie un Fantominus. Mais j'ai fait peur. Voilà, mais évidemment, Fantominus, c'est de la bouse en défense. Une poulpeuse va se faire un plaisir de le tuer. J'ai bien des pères, voilà. Donc je suis nul. Yeah, 81 points. Comment il prend de l'avance sur moi, comment je vais devoir accélérer. En plus, il m'envoie un Germilol. Ah, et aussi, j'ai juste fait une ROM test pour voir si tout fonctionnait correctement. Parle pas. Et pour moi, à chaque fois que j'allais dans l'arène alpha, il y avait un légendaire. Et là, pas de problème. Allez, hop, un Mew sauvage. Faut leur laisser la surprise. Alors, je vas-tu, Chloé? Combat Japon. Ah, désolé, mais c'est ça. Attention, c'est Florentino. C'est un biker. Et il m'envoie un marque à crin. Moi, c'est Daniel Chief. C'est Master Chief. Et il déconne pas. Il est pour au niveau 2, qui va. Allez hop, on va un marque à crin. Parce que, évidemment, marque à crin est de type glace, sol. Bon, le début va être, je pense, un peu plat. Jusqu'à ce qu'on arrive à la première arène au moins, ou bien mais la tour Chantiflore. Le mec c'est un éleveur de marque à crin. Là dans cet épisode on va essayer de commencer la tour Chantiflore au moins, j'espère. Il est au combien Lupio? Enfin Doris. On va essayer de les appeler par leur surnom. Moi le mec il avait deux marques à crin. J'aurais dû changer. Repli. Il va être chiant. Il me semble qu'il a le pouvoir anti quoi, un truc du genre, mais je sais plus. Bon, tais-toi, tu vas me porter la poisse. S'il a que repli, bah. Ça va être long, comme un seul rondeau. Écume! Bubule! Oh! Un dresseur. Tiens, t'es qui toi? Je suis un dresseur. Voilà. Tout ça, tout ça. Attention! Un combat est lancé par Marc ta mère. Allez, meurs, oui. Marc ta mère. Okay. Oui, j'ai tendance à accélérer quand je stresse. Non! Ah! Tu vas perdre, tu vas mourir. Vas-y, OGM! Défends-moi, OGM! Alors, je vais faire quand même un truc, je vais donner des buts à mes Pokémon. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. C'est le combat le plus long du monde. Et vu que je suis un coureur,
On va rentrer à la maison. Oh non, je l'enlève un peu vu par un peu vu. En plus, il a parasport. Bon, alors je pense que je vais me permettre d'un. Une musique spéciale ou pas? Non. Ok. Bah, je pense que je vais me permettre de. J'ai le droit de le capturer ou pas selon nos règles ou. Non. D'accord. C'était quoi nos règles? Je sais plus. Moi, c'était une règle bizarre que t'avais inventée. Il va me faire peur. Non! Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait comme attaque? Bah, regarde ton écran. Non, mais j'accélère parce que ça devient long. Ah, mais accélère pas vu que moi je suis parti. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est ça. C'est ça l'intérêt, c'est que il y a de l'intérêt sur au moins un écran. Yes! Il est confus! Il fait danseur! Merde! Putain, il a déjà danseur sans cul! Ah. Oh, ça va. Je vais éviter d'accélérer moi là-dessus. Sinon, c'est très chiant. Mais ils n'avaient pas encore inventé les chaussures de sport, donc vous pouvez pas encore courir. C'est triste. Oui, gros critique, bien joué. Salut. J'ai encore une chance. Je ne suis pas dresseur, point. Mais si tu regardes quelqu'un dans les yeux, prépare ton anus. Oh mon dieu. Non, non, oui, vas-y, rends-toi confus. Tiens, t'es qui? C'est merveilleux. C'est la oui, discussion dans le monde. Non, sois pas paralysé. Non, il est plus confus, il fait un sueur. Aïe. Camille Sama. Non, ne sois pas paralysé. No. Parce que j'en ai quatre. Il envoie des cadavres. Allez. J'ai espoir en tournegrin. Tu peux le faire, OGM. Il parle plus fort. Mais non, mais là, sans OGM, tu vois, je serais mort. Depuis longtemps. Ah oui. Moi, il envoie des Mew, ça va, ça. Ok. Tu vois, c'est le mec. Il se fait plaisir. Hop, je récupère ma vie, connard. Non. D'ailleurs, j'ai complètement oublié qui était le premier Pokémon. T'es nul, moi j'ai déjà passé le combat. Eh, hey, toi, t'affrontes pas un Rafflesia totalement chiant. J'aime bien les icônes de mon bureau qui bug toutes les 3 secondes quand je joue. C'est merveilleux. Allez, dépêche-toi, sinon on n'arrivera jamais à nos villes. Ah, je suis désolé, mais si je tombe sur un. Oh, elle m'énerve celle-là. Allez, vas-y. Oui. Allô. Respect. Le professeur Franck m'a dit que tu faisais un long voyage. Tu aurais pu me le dire. Et l'argent? Dois-je économiser? Est-ce que c'est utile? Non. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ok, je ne garde pas ton argent. Tu peux le faire, OGM. OGM, pour la France. C'est nul, le nationalisme. Oui, il est mort, ça Rafflesia de merde. Oui. Vas-y, tu l'as bien mérité, ton niveau, OGM. Oui, là. Je vais violer un axolotl. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Mimitoast. Repose en paix, Axolotl. Tu l'as tué? C'est une nouvelle route? Sérieux? Oui. Ah, tant pis. J'ai une grotte. Bon, c'est un Axolotl, c'est un Pokémon nouveau. Oui, mais ma reste, c'est le meilleur Pokémon qui encaisse en 2G. M'en fous! Arrête de me faire regretter. J'allais me soigner. Bah, évidemment. Attends, OGM là, il a subi beaucoup de dommages, le pauvre. Bonjour monsieur. Entre noir. Ah, trop profond. Alors j'espère que j'ai tombé sur un Pokémon feu là, puisqu'on a pu le voir, les Rafflesia sont des menaces potentielles. Hein? J'espère que je vais tomber sur un Pokémon moi, parce que j'en ai marre des Power Rangers dans la rue. Non mais les Power Rangers, ils ont des Pokémon obscurs, alors t'es pauvre. Hein. Oui, je suis dans la Warp Zone. Oh, il va se téléphoner. Sainte Marie, Mère de Dieu. Capture. Je ne suis pas catholique. Il capture le vite, hein. Non, il a téléphoné. Mais il peut faire très mal. La Pokéboule. La Pokéboule en carton. Prions, mes frères. Allez. Oh, salope. Oh, mon Dieu. Tu joues, il fait pas mal à la Kazam. Oui, il est nul à la Kazam.
Je suis sûr que si je l'utilise dans mon équipe, je vais le perdre tout de suite. Allez! Allez! Non! Télékinésie. Ah. Hop, voilà, il est parti. Tant pis. Allez, moi je vais rencontrer un. Juste pour me faire rager, j'aurais pu avoir qui d'autre, puis je vais récupérer ce tas de boue. Je. Mais non! 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 Oh! Oh non, c'est non dégueulasse! Non! On est tous en train de chialer là. Non! Oh! Dégage! Sale merde! Putain, j'aurais pu avoir un low class, mon Pokémon no préféré. J'aurais pu avoir un Chenipan! Un Hitoking! Mais je suis de la gueule du monde! Vas-y, on te donne un Chenipan, on peut avoir un Hitoking! Connard crève! En plus, toi, tu résistes! Allez, entraîneur. Ouh! Moi, j'adore. Cette magnifique Pokéball, comment tu l'atteins? Ouais, coquille, coucou. Yes! Enfin, un Pokémon! Un bon Pokémon! Non, parce que avant, c'était pas des Pokémon, c'était des Digimon. Non, c'était des Pokémon de bras. Enfin, Mindraco et Léviator, non, mais. OGM, Chenipan. Bon, j'espère qu'elle va faire. Tu l'as capturé, Chenipan? Non, je l'ai tué. Wouah, c'est fulgurant la montée d'XP. Putain. J'aime, oui, tu résistes. Ok, vol de merde! Hop, je switch. J'ai arrêté avec vos class là. Poulpeuse! Bande de méchants. Oh, je stresse. Il est cool ce Pokémon. Je suis bloqué. Les sacs. Non, ça va, j'ai 10 Pokéball, je suis large. J'ai été large, tout le monde sait que t'es obèse. Ta gueule. 1, 2, oh merde. Sérieusement. Bon, allez, je me casse de là. 2, 3. Yes! Yes! Oui! Oui! J'ai intégré ça. Tu deviens fou, non? Oui. Et vu qu'il est mal, bah voilà. Bonjour monsieur le gros, je t'esquive. C'est un arbre à fruits. Bah j'ai un pote, bah vu que Ursaring c'est son Pokémon préféré, bah je vais l'appeler comme ça. Thomas. Ah ouais, c'est bien, vive l'anonymat. Nyee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 e
Oh, comment il insulte ses potes. Mais non, mais c'est des Pokémon Spectre. Il a que... Enfin, je peux le toucher avec les chouilles, mais bon. Il n'y avait pas un autre dresseur ici. C'est quoi dans l'herbe du feu forêt. Attends, je vais voir si ce qu'il a. Je peux pas avoir. Moi j'y suis parce que je suis trop fort. Non, je peux pas avoir. Je regarderai si merci de me soigner, madame. Merci, c'est très gentil. Voilà, pour le poser déjà au level 10, hein. Ça va vite. Et puis bref, petite vague psy. Je vais juste voir ce qu'elle demande, parce qu'on a randomisé des échanges, je vous rappelle. Un Pokémon échangé grandit plus vite qu'un Pokémon attrapé. C'est très intéressant. J'ai collectionné les Pokémon, as-tu match-up contre... Tu peux l'échanger contre Gixly. J'aimerais bien, mais malheureusement, je ne peux pas. Spectrum. Normalement, c'est tu lui donnes un Chétiflor, il te donne un Onix. Qui s'appelle Rocky. Et c'est bizarre parce que Onyx c'est un serpent oh. Alors que Rocky Balboa. On a perdu 50 abonnés alors qu'on en a que 25. La torche est une flamme. Oh, j'ai trouvé une Pokéboule. Moi, si on me demande mon OGM en échange, moi je veux bien. Non, il veut me violer. Attention, c'est celui qui a fait, tu vois, la nouvelle chanson. Ils m'ont toujours fait peur, ce mec-là. En plus, il s'appelle Sonia. C'est de la ID. C'est de la ID. Attention. Toi aussi, soit type spectre, soit type poison. Parce que Femora est spectre poison. Aussi ? Oui. D'ailleurs, j'ai regardé les attaques de Teddy Ursa. Pour l'instant, ouais, il a greffé gros yeux. Il n'a pas les chouilles. Il la prendra un petit peu plus tard, il me semble. Et il envoie un Photominus, donc on sait toujours pas. Ouais. Je collectionne le Pokémon, as-tu un Notaria? Tu veux me changer contre Rococic là, qu'il veut te faire. déjà que l'Amantine peut être très bon, alors que Rococic là ne sert à rien du tout. Mais c'est vraiment utile. Et pour vous dire, j'ai fait point comète sur un Rougoule, j'ai touché 5 fois, il est même pas mort. Un Rocool. Oui. Bah, on sait toujours pas. On sait toujours pas le type de dresseur et le type de Pokémon qu'ils ont. Bah, moi, je m'en fiche, je serais différent. Toutefois, la tour ne cédera pas lors d'un grand et blablabla. Voilà. Moi, j'ai un Pokémon niveau 10. Attention, c'est Alex Poète qui veut se battre. Et il a. Non! Non mais tu te fous de ma gueule, Noctalie. Mais non mais je vais rien lui faire. Mais c'est de l'anti-jeu là. Oh ça va, oh oui, ça va. Tu lui fais rien du tout effectivement. Enfin, c'était un coup critique hein. T'as mis 30 ans à le tuer, c'est juste qu'on a fait une ellipse en fait. Oui, bon... Oh un verrouillage, tiens. Mais cette musique t'as vraiment l'impression. Je vais te le gueuler mon enfant. Cornèbre. Vois-tu, nous les prêtres n'avons pas l'occasion de voir de jeunes enfants très souvent. Tiens, ça me rappelle, dans la ROM test, Cornèbre c'était Pokémon dans l'œuf. Tiens, Thomas. Thomas Lady veut se battre. Spectrum, on sait toujours pas ce qu'ils ont. Il te troll, hein. T'es sûr que Feu Forêt est poison? Oui. Pour moi, il a jamais été poison. Malos. Qu'est-ce que je fais, moi? Je fais Mania, bah oui. Non, mais Allô, c'est trop l'intelligence que j'ai en moi. Ah ouais, attends. Ah, t'as fait les chouilles. Moi je vais lui faire cage éclair comme ça il va comprendre la douleur de la douleur douloureuse. Je lui refais cage éclair parce que je suis débile. Oh j'ai battu Alex le poète. Poète. Il évolue au niveau combien Doris? C'est vers les 30. Il me semble que c'est 32 mais je suis sûr. Putain c'est énorme. Ah oui. Octiri. C'est le niveau d'évolution d'un nerf bizarre. Te plains pas, Octiri, c'est vers. C'est. Il me semble que c'est 28. Ouais, ça doit être Spectre, parce que si c'était Poison, ça ferait longtemps qu'il m'aurait envoyé des Pokémon Poison. Ouais. Attends, y'a qui comme Pokémon Spectre dans la deuxième G à part Fufuref? Aucun. Voilà, c'est pour ça qu'il m'envoie que ceux-là.
Il n'y a plus qu'Ectoplasma qui m'a pas envoyé. Coucou des molos. Et toi, c'était Never qui sait. Bah, en même temps, ils m'ont envoyé un Octali. Cliquez, cliquez, bande d'escalope. Mais non, je fais pas d'imitation de Marcel. C'est pas permis. Un Farfuré. J'aime pas ce Pokémon. Il utilise un feu forêve. Quelle variétude. Bah non, tu veux pas. Tyrannosif. Mais qu'est-ce qu'ils ont les moines là? Ils veulent ma mort. Bizarrement, j'avais jamais vu de Tyrannosif dans ces versions là. Mais attends, le moine il veut ma mort, c'est ça? Ouais, one shot, ok. Tu one shot un Tyrannosif avec... avec un poisson. Ouais, je me tue max de fouette. Fouette. Bon, je vais accélérer parce que tu me fais chier. Il m'a dit merci. Bah, de rien. J'ai perdu ma virginité, mais au moins. Précision plus. Utilitude. J'adore ces objets que j'utilise. Ah, mais je connais pas du tout la tour. Hein. Je sais que si tu vas tout en bas, bah, tu affrontes pas dans ça, mais je vais la prendre quand même. Moi aussi, je la connais. Il y a mon chat qui miaule. Vous voulez comme. Vous voulez. Ah non, voler. Ah, bah, le voilà, l'ectoplasma. D'accord. Des pieds. Alors, moi, c'est encore un max poète et il m'envoie Farfuré. Pourquoi ça n'affecte pas mon Opio? C'est juste parce que c'est une vieille version ou... Oui, parce que c'est une vieille version, parce qu'il te fait dépit. Et dépit, ça retire des PP à l'attaque. Ça retire des PP à. Cage éclair. Cage éclair. Je m'en fous un peu. Ils vont encore utiliser Farfuré, mais je m'en bats les couilles en fait. Hein. C'est bien, on tombe sur des types assez limités dans les deux, dans les deux MG, c'est... Bah ça va, t'es pas tombé sur un assez... Ouais, il y a Steelix, Magneti, Magneton... Et c'est les seuls que je connaisse en assez. De 1 à 2G. Putain, je rate... Mais... Quoi? Bah j'avais plus d'attaque, j'ai plus de déduration, et oui. 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 J'ai toujours pas croisé de Pokémon sauvage, tiens. Oui, les Pokémon sauvages sont assez rares. Suc. T'as pas un équipe avec des joueurs? Bah non. J'ai plus que l'attaque ultrason. Puis ça, à la limite. Moi, je suis totalement paralysé. Tu fais quoi? Je cherche un Pokémon. Moi, je me demande pourquoi il y a des escaliers là alors qu'on peut pas y aller. Parce que c'est de la distance. Ah, si on peut y aller, oui. Oui, c'est l'entrée avant. Oui, ouh! Ouh! Coucou, Farampe! Moi je me barre. Hein. Vas-y, OGM. Il fait rugissement. Oh my god! J'ai utilisé ma baie. Ah ouais, merde. La potion. La potion! That potion! La potion! Et ok, il a charge, cage éclair, rugissement. Vas-y, OGM! Aspire sa vue! Bon, vous aurez un son dégueulasse, mais c'est pour le bien de la vidéo. Pour qu'on puisse arriver à quelque chose. Putain, il a encore un ectoplasma, mais il fout ta gueule en fait! Ils ont fait des Pokémon Spectre! Il veut m'enlever mes ultrasons! Non, ça m'enlève mes. Mais... La technique ultime pour la victoire! Oh vas-y, comment il me fait cage éclair alors que je suis déjà paralysé, il me vient méchant pharaon. Vas-y, je veux te rendre encore plus handicapé, quoi. Ah, merci. Merci Dieu.
Lui, il a ton pistolet. Oh. Ça va, c'est marrant. Tu vas bien te troller là. Alors, allez, je vais utiliser mon anti-para. Pour une raison très simple. C'est que si je tombe sur un. Oh putain, en plus, il est endormi l'autre début. Allez. Non, pas Pokémon. Enfin, pas Pikmin. Pikmin. T'aimes-tu les Pikmin? Quoi? Bah, c'est Pikmin. Non, c'est Pokémon. Ouais. Pokémon. 1, 2, 3. What? Du one shot sur un pharaon! J'adore les Pokémon. Je ne veux rencontrer aucun Pokémon pour l'instant. Merci, Seigneur. Yeah. Eh ben écoutez, ça fait combien de temps qu'on tourne? 30 minutes. Eh ben c'est déjà beaucoup trop. Bah écoutez, on se retrouve bientôt pour l'épisode 4. Moi je voulais sur cette magnifique sur ce magnifique écran. Donc t'as capturé un pharaon? Ouais. Bah oui, j'ai hurlé pharaon, mais non. Non, lui. Oh, bah t'as capturé un pharaon. Pour toi, hurler, ça a une drôle de signification. J'ai dit en plus one shot sur un pharaon. Ça veut rien dire one shot. Bah si, ça veut dire que je l'ai capturé en un coup. Non, ça veut dire que tu l'as tué en un coup. One shot capture. Bon, dépêche-toi. Bah dépêche-toi de le renommer, ça va être la fin de la vidéo. Je vais l'appeler Jasmine. Voilà. Tout ça. Pourquoi? Parce que c'est Jasmine qui l'a. Voilà l'inspiration. J'aurais pu l'appeler, je sais pas, Alexandrie, parce que le phare d'Alexandrie. Ou bien Claude François, parce que Claude François, il chante Alexandrie. Alors Claudette. Non, vraiment. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez un pouce bleu, commentez, partagez, abonnez-vous et tout. Et on se retrouve pour l'épisode 4. Salut! Salut!